C'est quoi la plus grande passe D qu'on t'a faite ? Il y a une vraie passe D dans ma vie, et c'est pas une passe D genre en mode waouh, j'ai la lucarne. Bon, la vraie passe D, c'est Ariel Saraco qui me dit on va faire 40 épisodes de Bref. Ça a donné le CD. J'étais sur ANPE.fr, ouais. Il y avait une annonce. Cherche programme court pour Canal+. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Non, moi, j'écris, moi. Moi j'ai tous les jours sur la Moi, j'ai la version où tu ramènes à Canal le programme que t'as fait, ouais. Et que ça reste sur un dans non, un... C'est, non, ça c'est une légende. Ça, c'est une légende. Ça. Parce que personne te connaît quand tu ouais. fais Bref. Non. C'est ouf. Bah non, personne. Comment tu rentres avec ce projet ? La c'est vraie passe-dé qu'on m'a fait, c'est Navo. En 2007, je fais mon spectacle. Et j'ai 42 personnes dans ma salle. C'est une cave. Dans le 20e, la Providence que t'as connue. Oui. Et j'ai un boulard énorme. Parce que t'as rempli 42, c'est parti. Je suis un dieu vivant. D'accord ? Moi, je fais des standing ovations de 42 personnes dans une cave, d'accord ? Et je commence à... J'ai Navo qui est là, qui traîne autour de moi, et je lui parle mal. Et je lui parle tellement mal qu'il m'envoie... Il répond plus au téléphone, et tout, etc., etc. Et je me rends compte que là, je me retrouve tout seul, tu vois. Il n'y a plus trop de personnes qui me parlent dans le milieu. Je fais mes stand-up, mais tu sens que je ne suis pas un mec agréable, tu vois, à ce moment-là. Je m'explique, moi. Je viens de Reims. Je me dis, il faut que je tout, sinon j'ai que cette option. Mes parents me disent que je vaux rien en ne me soutenant pas, tu vois. Donc je deviens une sorte de mec auto-convaincu à me dire maintenant c'est moi, c'est mon tour. Ah, je vais marcher sur les autres, quoi. Et je me remets en cause pendant 6 mois. Je suis un peu solo, tu vois. En 2007, 2008, je suis un peu solo. Et j'envoie un texto à Navo et je lui fais, écoute mec, je crois que j'ai vraiment déconné il y a 6 mois. J'ai fait de la Donc je suis désolé, je m'excuse. Si un jour tu veux accepter ces excuses, bah, je serais ravi que tu prennes un café. Si tu m'en veux toute ta vie, franchement, je comprendrais. Je suis un peu un... J'assumerai mes erreurs et voilà. Il m'a renvoyé un texto, il m'a dit « Putain mec, t'es comme moi, tu cherches à évoluer. Tant mieux, on va bien s'entendre. » Ça, c'est une vraie passe décisive. Et donc viens, on prend ce café. On prend ce café, on commence à discuter et là, on traîne ensemble, mais comme ça. Wow. Et ça, c'est la vraie passe décisive. C'est vraiment un truc fondamental dans notre relation. Parce que je me dis, ce gars-là, il ne cherche pas à percer, à gratter ou à quoi que ce soit. Il veut juste évoluer, avoir des rapports humains sains. Après, derrière, on fait plein de trucs, on discute, on rigole, on fait de la poésie, on galère. Mais ce n'est pas grave, on kiffe, tu vois. Et à un moment donné, il y a cette idée, il y a Bref. Ce serait un peu inspiré des films américains comme les Lois de l'attraction, comme Fight Club, comme tous les films cultes qu'on adore, tu vois, les films de Fincher, les films de Clapiche, les films de Jeunet, tu vois. Et je dis, tiens, ça serait cool, on fait ça. Et Navo me dit, cool, chambé, viens, on le fait. Et là, on le montre à Harry Torgeman, qui est un jeune producteur à ce moment-là, qui a fait aussi plein de trucs. Il fait un programme court avec deux gars, je ne sais pas si vous les connaissez. Il y a un humoriste qui s'appelle Ben, ouais. Qui est exceptionnel. Ouais, les cuisses dans l'absurde. De poisson. L'absurde. L'absurde de ouf. Il y en a un autre, c'est Jonathan Cohen. Je ne sais pas si vous le connaissez aussi. Ouais. Il fait un peu d'absurde aussi. Ah, ils étaient ensemble sur un projet ? Ouais, ça s'appelait Deux mecs qui bossent à Canal pour un programme pour l'été, un programme un peu frais pour l'été sur canalplus.fr. Harry le produit et en attendant, il voit Bref et on écrit Bref sur une feuille, ça tient sur une feuille à quatre, on dit on fait ça. Il regarde, il fait des les gars, je comprends rien. C'est quoi ? C'est nul ou quoi ? il fait non, pilotez-le, vaut mieux le piloter. Il m'a dit je sais que vous êtes marrant, je sais que vous bossez, donc pilotez-le. J'appelle tout le monde, les techniciens, les machins, les plans, les machins, les croquis. Je fais tout, de A à Z jusqu'à l'étalonnage, je fais tout. Et t'as Harry qui va à Canal, puis montre, Jonathan Cohen est trop marrant, Ben, trop débarre, faut bosser avec lui. Et Harry, le jour où il présente la série, il dit j'ai un autre truc. C'est un court-métrage, regardez-le. Il le regarde, et à ce moment où il le regarde, ils disent ok, Ariel Saraco le voit, et elle dit surtout, vous le montrez à personne d'autre. Il y a Harry qui dit, ils nous ont un texto, il dit ah, les gars, Canal, ils ont dit de ne pas le montrer, ça veut dire quoi à votre avis ? Faut pas le montrer, du coup, c'est ça que ça veut dire. Donc on le montre pas et on attend. Et mardi après, je me rappelle la veille, j'étais vraiment à la CAF au RSA. Et le mardi, je me retrouve à la direction de notre canal et on me dit alors, vous voulez en faire plus ? J'étais là genre, non, c'est trop dur. j'ai pleuré quand j'ai fait Bref. Moi, ça a été dur pour moi. J'arriverai jamais à en faire 40. Et Navo, il fait si, on peut en faire 200, 300 si vous voulez. Non, mais je regarde à vous, je fais, mais il est ouf ou quoi ? Jamais j'aurai l'énergie. Ça t'a pris combien pour faire le pilote ? Combien de temps d'énergie ? Ça m'a pris vraiment un mois et demi, mais tous les jours à bosser, à attendre et tout. À rechercher la grammaire. Après, Navo était là en soutien, mais tu vois, mais c'est vraiment moi qui prenais les cassettes, amenais les machins, faire ça, aller chercher les gens, les castings et tout. Tu t'es dit 40 épisodes en un de mois ça, et demi. De ça, mais j'y arriverai pas. C'est dans 5 ans. Ouais, mais avec la machine derrière. Et Navo, il me dit, t'inquiète, il y aura la machine derrière. Quand tu auras la machine, quand tu auras 25 techniciens derrière, toi, t'as plus qu'à attendre et on te donne les trucs. Et tu dis oui, non, oui, non, oui, non. Et c'est comme ça que ça s'est retrouvé chez Canal. Parce que Harry,
il s'est donné sa chance aussi, tu vois. Et à un moment donné, voilà, Et le programme de Ben et Jonathan, il n'est jamais sorti? Il est sorti, il est passé l'été sur Canal, et voilà. Mais il était drôle, ce projet. Alors, explique-nous un peu ton processus de création, parce qu'avec tous les projets que tu as, comment ils naissent, les idées? Est-ce que tu, ça... wow. C'est soirée Raymond Devos, hein, je te le dis. Wow. Hein. Ouvre avec ça, ouvre avec ça ce soir. Ce soir. Wow. Par exemple, là, le dernier en date, c'est Hot. Hot Ones, ouais. Hot Ones, c'est le dernier en date. Ouais. Comment ça t'est venu, cette idée de... C'est même pas mon idée, c'est une idée, c'est des Américains qui ont fait ce concept, c'est des producteurs en France qui me disent, il nous faut un gars, vu que je faisais un bon moment, ils regardaient un bon moment, ouais. Donc ils se disaient, bon, le gars peut recevoir des gens, c'est pas qu'un, tu vois, et du coup, ils m'ont appelé, moi j'adore l'émission américaine, j'adore les piments, tu vois, tu me dis, bah... Mais il te ressemble le carré en plus. Je suis tombé sur une Hot Ones. Ah, tu trouves? Non, mais... Moi, je trouve qu'il est juste chauve. Qui fait ça? C'est qui l'Américain? Vous n'allez pas me mettre dans la chauveau-phobie. Non, vous n'allez pas me mettre dans la sauce piquante. Tu sais qu'on voulait faire le concept, mais avec des choses de plus en plus sucrées. Sucrées. Oh, c'est doux! Et tu finis avec un macroude, parce que c'est le maximum du sucre. Tout le monde est comme ça, tout le monde est comme ça. J'ai une idée, les gars, j'ai une idée, Théo. Sweet ones. Encore une fois, le truc, c'est le cœur. C'est, j'adore les piments, j'adore l'émission. On me propose de faire l'émission sur Canal, donc dans une ambiance qui est cool, avec dans les conditions que j'aime bien. Pourquoi ne pas le faire? Kian, ça fait quoi de voir des gens souffrir? C'est agréable, mais c'est trop marrant. Non, mais c'est trop marrant. Mais tu manges en même temps qu'eux, en plus. Ouais. Non, mais l'habitude, lui. Toi, t'es habitué. Hier, j'ai douillé. Par exemple, on a enregistré hier, j'étais par terre. C'était avec qui? Pio Marmaille, François Civil. Et Melha Bedia. Ouais. Et Melha, elle a souffert. Mais elle a vraiment souffert. Elle a souffert. Elle a souffert, hein. C'est une fausse rebeu. Hein. Ben, je suis pas sûr que ce soit lié. Ça dépend si t'es Tunisien ou pas. Les Tunisiens mangent très. Non, mais c'est vrai, les Tunisiens mangent. Parce qu'on mange très personne. Ouais, on mange spicy. Les Tunisiens mangent vraiment épicé. Genre harissa, c'est du Nutella. C'est Hakim Djibili que tu dois inviter. Ouais. Hakim, tu vois, c'est. Mais moi, au dernier niveau, Jack. Faut pas, faut un mec qui voit un mec qui souffre, sinon c'est pas drôle, tu vois. Hakim, vas-y, encore. Donc tu vois, ça s'est fait comme ça naturellement. Et en fait, c'est un vrai privilège, tu vois. Ça, c'est un vrai. Les projets, ils arrivent à ta table. C'est comme les acteurs, pareil. Les films arrivent, tu vois, sur leur bureau, quoi. Et ils ont le choix. Et c'est un truc qui se met en place, quoi. Et puis. Mais mon objectif, ça a toujours été d'être un mec de confiance. Ça, c'est mon objectif. Le making of. C'est le making of. Eh, Sergueï. Oui. Ça, c'est mon making-of qui va servir à rien. J'ai mis toutes les nuances de gris, je sais pas si on voit ça. Et il y en a 50? 50 Shades of Grey. Allez, hein, je vais vous attacher dans l'appartement, ça... Tu nous... En plus, c'est écrit love là-bas. Love. Abusé, j'ai pas vu. Quoi? Pourquoi ils font pas un gris? Tu penses qu'ils devraient pas faire des nuances de gris? Bah faites un gris, les gars. Putain, après c'est toi qui as délavé un peu. Après t'arrives, hein. Tu veux t'habiller tout en gris, j'ai tous les gris différents. Moi j'ai pas vu, moi je m'habille, y a pas beaucoup de lumière chez moi. Je me suis dit, je suis tout gris comme Kishta, mon chat. Mon chat, frère, t'as le seum, hein. Hey. Allez gros, c'est pas grave. Hey, t'as le droit à l'image. Beau gosse, hein. Oh là là. Vite fait, Sergueï. Si, je te jure, j'ai rarement été aussi frais dans ma vie.